Ouais. Euh, bon, il hey, a soit passé dans le fond. On avait, euh, on avait, le, on avait une rumeur dans les nouvelles qu'on va voulu, voulu, voulu développer. Puis je pense que c'est. Euh le moment idéal présentement de le faire avant, évidemment, que ce soit annoncé durant probablement l'été. Mais il y avait une grosse rumeur persistante qui disait qu'il y avait plusieurs jeux. Pour une certaine personne disait qu'il y en avait cinq, d'autres plus, d'autres moins, whatever. Euh, à propos de Nintendo, qui est présentement en fait en train, semble-t-il. C'est quand même confirmé par certaines, plusieurs sources différentes, whatever, mais c'est pas confirmé quoi. Euh, qu'il y aurait, dans le fond, des jeux euh, qui sont en train de produire, pas en fait de produire, mais de développer. C'est des remakes des euh, Mario, dans le fond. Fait que, finalement, la dernière fois qu'on a parlé, on n'avait plus de temps. Là, il nous en reste un petit peu euh, présentement. Fait que moi, dans le fond, je voulais arriver avec, une, avec une, une, peut-être une liste, peut-être un ou deux. Je sais plus. Je sais pas comment je vois ça. Euh, mais moi, en fait, je vais te dire, la première fois que j'ai entendu ça, le watch out. Je sais que tu vas encore avoir l'occasion de pouvoir me juger, comme tout le monde qui nous écoute. Mais Je euh, <laughs> commencé genre, m commencé comme que je pense que, que, que c'est la seule manière que je peux commencer, mais moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, la première fois je me suis dit, c'est ah, c'est intéressant parce que j'avais pas aimé, je l'avais dit, j'avais pas tant aimé, pas que c'est pas vrai que j'ai pas aimé, j'ai pas tant aimé le nouveau Mario que j'ai déjà même oublié son nom. c'est pas Mario Odyssey. Puis finalement, dans le fond, je me disais, qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est qu'il remaster certains jeux, puis je me suis dit ça, genre courant, tu whatever. Puis là, finalement, le fait qu'il le fasse m'amène à deux points. Premièrement, je vais avouer, là, je sais que tu vas dire ça un peu, mais je vais avouer que je n'ai jamais joué d'une façon constante. Ça veut dire que j'ai déjà joué ici et là chez du monde, quand j'ai loué à Nintendo 64, je n'ai jamais joué d'une façon constante à Super Mario 64 ou Super Mario 64. Donc, ouais. techniquement, je n'ai jamais fini. J'ai jamais... joué beaucoup éparpillé dans du temps. J'ai même acheté genre, sur la virtuelle console de la Wii U, mais je n'ai jamais comme joué comme que j'aurais voulu le jouer, ce jeu là Fait que moi, personnellement, s'il y a une affaire que j'espère qu'ils vont créer, c'est un remaster bien fait, là, un genre de Resident Evil Final Fantasy VII* En tout cas, ce genre de remaster-là, euh... en fait, pas un remaster, même un remake de ce jeu-là, parce que je ne connais pas assez ce jeu-là. Je le connais un peu, mais pas sous la forme que j'aimerais le connaître. J'ai adoré les Galaxies, les Super Galaxies, Galaxy, mais ça a l'air que lui est une coche quasiment au-dessus, ou en tout cas sur le même niveau. Fait que techniquement, je te dirais, quand j'ai entendu ça, la première chose je me suis dit, malade, je ne verrais, pas... verrais pas comment il pourrait skipper ce jeu-là. Je vais pouvoir jouer à ça. Toi personnellement, quelle est la que ben, première réaction que tu as eue quand t'as entendu ça Ben, chaque mois, première réaction, c'est quand t'as comment je suis pas un fan de Platformer en général, puis comment je suis pas un méga fan de Mario, c'est ma première réaction. <laughs> fait que c'est euh, genre, fait... je m'en fous. Genre, ça. La réaction au début, c'était quand je m'en collais. je m'achèterais pas d'autres Mario parce que comme toi, j'ai Odyssey puis c'est ma blonde qui l'a fini. Euh, je suis pas un fan de Platformer. mais je me rappelle <laughs> très bien que quand j'avais joué à Super Mario 64 chez mon ami, dans le temps, ça l'avait blowé mon fucking mind. Euh, C'est un jeu, justement, comme, comme Platformer 3D. C'est littéralement considéré comme dans les révolutions de jeux vidéo. Oui. Comme ça, avec les Wolfenstein, les oui. Doom, oui. les Final oui. 7, puis tout ça. C'est vraiment comme seminal comme Product. Fait, oui. Si tu jouerais à ça maintenant, je me rappelle avec les problèmes de caméra. Tout le monde, souvent, je suis de prendre la caméra dans les jeux modernes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dans ce temps-là, il fallait que tu aies la manette de 64 de marde. Ce qu'il fallait littéralement que tu contrôles manuellement. Tu avais juste un stick et des petits pitons jaunes de marde. Ça, c'était des problèmes de caméra. OK? Euh, mais ce jeu-là est tellement grandiose, je te dirais que ça n'a pas très bien vieilli parce que c'est plus tough. C'est quand même tough comme jeu. C'est l'impression de Les cotons sont, sont pas super cool, hein, euh, surtout de manière moderne. Mais la musique de ça, les stages, pis tout ça, pis le level design, c'est timeless selon moi. Ouais. Un peu comme les classiques de Mario. C'est plus facile de faire les classiques de jeux 2D parce que 2D, ça vieillit très bien. 3D, ça a tendance à vieillir mal. Mais pour un jeu genre lit 3D, ça c'est quand même très béveilli. Tu peux jouer maintenant. Mais faire un full-blown remake de ce jeu-là, c'est littéralement ce que ce jeu-là mérite et déserve. Pour que du monde qui n'a jamais joué ait hey, l'expérience de jouer à Mario 64. Euh, D'avoir l'expérience de la musique, des stages, du vibe. Y a des... La musique est brûlée dans mon cerveau. Il y avait des moments c'était comme creepy un peu. Il y a des stages comme des pyramides, il y a des stages tendus de l'eau toutes tout ça. Tous les stages étaient excellents. Je trouve que le des angles était fois meilleur que dans Mario Odyssey euh, pour moi, c'est le, meilleur... le meilleur Mario. T'sais. Je sais qu'il soit un blasphème, du moins qui tripe sur Mario 1 Mario 3. Mais Mario 104, pour moi, c'est de fucking shit. Tu penses-tu qu'il y a des euh... chances qu'ils qu le fassent? Tu penses -tu que c'est des chances ben, je veux dire, En fait, à combien de pourcentages tu penses que ça fait partie des jeux qu'ils vont, qui vont remake, mettons? En ce moment, je pense que le pourcentage était à 70%. Je te dirais pourquoi, c'est que quand ils ont annoncé ça, j'ai l'impression qu'ils vont juste c'est euh, comme un petit peu modifier peut-être la résolution, modifier quelques affaires, puis juste pitcher une collection complète ouais. de Mario Odyssey puis les Mario Galaxy, de Mario 104. Je pense pas que c'était dans les cartes de faire un full blown remake. Même si sur 10%, le... je dirais que un petit peu trop élevé. Je te dirais que c'est 50-50. Euh, s'ils sortent de Mario 104, ils vont pouvoir sortir d'une manière genre cheapette, euh, faire partie d'une collection. Parce que s'ils font flow blown remake, ils vont le vendre à plein prix, tu comprends? Ouais. Ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont vendre ces jeux-là peut-être. Euh, tout dans un bundle. Mais encore peut-être que j'ai tort. Ouais, non, mais ça ferait du sens si jamais, comme tu dis, si c'est pas des full. Je suis je, je, d'accord avec toi. C'est une bonne c'est une bonne idée. Mais en même temps, c'est que Nintendo, ça l'a C'est que tu sais, prédire qu'est-ce que Nintendo va faire. Euh, c'est rough. Puis tu sais, des full-blown remakes. Tu t'en as-tu un genre de top of your head de Nintendo qui ont déjà fait Non, c'est ça. Puis honnêtement, mais il devrait, s'il y a un jeu qui devrait le faire, ça devrait être seulement. Mais c'est parce qu'il y a des rumeurs et tout. Les, OK, là, on va pas embarquer des rumeurs, mais juste ben je veux dire, on va pas comme juste parler ça pour du cash, mais il y a un paquet de rumeurs qui font aussi écho des Zelda sur 64 qui auraient aimé se refaire, dans le fond, le Ocarina of Time, puis Majora's Mask. Puis moi, c'est des Zelda que j'ai pas joué parce que, comme tu sais, c'est les Zelda que j'ai joué à part un petit peu de Wind Waker. ça ce maintenant, c'est horrible. Mais ben, je le sais, mais c'est Quand... pour ça. C'est pour, pour ça, mon point, c'est que ça n'a pas bien vieilli. Fait que je pense que ça vaut la peine qu'ils le refassent vu que c'est des jeux qui sont iconiques. Puis moi, d'après moi, puis tu sais, dans le fond, je viens de repenser, ils en ont fait des genres de remakes. Tu sais, si tu penses à Donkey Kong sur la Switch, puis à tous les jeux qu'ils ont fait pour la Switch, finalement. Mais c'était pas des. C'était pas des remakes, remakes, genre Final Fantasy VII, VII ou bien uh, Resident Evil. C'était littéralement, moi plutôt, on a acheté Frank puis JP à propos de ça. <laughs> Mais c'était littéralement, j'ai je, des jeux qui ont pris puis qui ont mis là puis c'est dans la, la salle. Moi, je serais curieux de voir genre où ce qui pourrait aller si eux ils allaient rechercher tous ces jeux-là. Puis honnêtement, genre, je serais, je suis même, tu sais, j'irais plus loin que ça en disant que je comprends qu'il y ait plein, tu sais, moi, moi là, tu sais bien ça, ok. J'ai même pas joué moi à Metroid Prime. Là. Right. J'ai déjà joué vite fait, mais vraiment pas d'une façon. Je pense que. Tu prends toutes les métroides. Puis je joue en salle quand même au jeu vidéo. Fait tu prends tous les métroides, tu prends tous les Zelda 64, même de GameCube ou whatever. Et je suis pas mal sûr que la moitié du monde qui ont une Switch n'ont pas joué à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, ah, là, ça, ça, ça. Fait que je pense que de leur donner l'occasion de jouer, ça peut être quelque chose de positif. En même temps, comme tu dis, dans le fond, la question reste à voir si c'est des vrais humains ou pas. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi. Puis tu sais, on en a déjà discuté plein de fois, puis tu l'as dit tantôt aussi, mais. Le 64, il a mal vieilli, man. tu comprends? Le ah, 64, ouais, les graphiques oui, c est, c est de 64, 64 si, man, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas le punch que ceux de PlayStation ont, que ceux de Dreamcast ont, que ceux de... de on peut pas du comparer avec un PlayStation. C'est même Resident 2, mais... Evil 2 sur PlayStation 1, c'est rejouable, rejouable. Genre, genre, mais tu sais, quand je regarde mettons, des vidéos justement, de, de, de tout ce qui est 64, je me dis, ah mon, Dieu c'était. On comprend, c'est le début du 3D, c'est sûr que c'est plus rough. Tu comprends, là? Comprend ça. Là. Oh ouais. mais... Les jeux de 3D, PlayStation 1 aussi, ça a malveillé en tabarnak, oui, oui, non, mais c'est ça, mais le 64, on dirait que c'est juste ça. Fait que techniquement, je ne sais pas. On va, on va checker. Moi, personnellement, je pense que c'est l'occasion en or pour moi d'aller revisiter des jeux que j'ai jamais eu le temps de m'attarder à dans ces moments-là. Puis tu sais, mon deuxième jeu, honnêtement, que j'avais voulu jouer. C'est un peu la même histoire, c'est que Super Mario Sunshine, qui est un de mes premiers jeux que je me suis acheté moi-même avec mon GameCube, mettons. Mm -hmm. euh, J'avais pas la maturité nécessaire pour jouer à ça parce que quand j'ai acheté ça, je pensais que ça allait être un Mario euh, conventionnel. Mais s'il y avait quelque chose qui n'est pas conventionnel avec Mario, ouais. c'est Super Mario Sunshine. C'est fait... le plus divided. d'entre. Il y a beaucoup de gens qui l'adore. Mais qui... moi, j'ai aimé mon expérience, mais j'étais super déçu que ce c'était pas un vrai Mario dans les cordes d'un vrai Mario, mais c'était un genre d'open world, de ce que je me rappelle whatever. Ouais, mais ouais. j'aimerais ça retourner puis voir avec la maturité que j'ai aujourd'hui, avec tout ce que j'ai acquis comme fonction cognitive de jeux vidéo. Je serais curieux de voir où je me rendrais. Puis je pense que j'aimerais ça. Fait que pour moi, personnellement, c'est sûr que ces deux-là, j'espère qu'ils vont arriver puis qu'ils vont arriver d'une façon très genre. très amenée de, de façon vraiment cool, Je pense que c'est ces deux jeux-là que Super Mario Maker ou le 2 peuvent pas recréer d'une manière ou d'une autre. Fait qu'ils méritent d'avoir leur propre. Installment, mettons leur propre remake. Je pense que il, il ceux-là, ils vont sortir comme Galaxy, Sunshine. Tu peux leur sortir dans leur état naturel, de manière. Hey, Galaxy, gros jeu remake. Joué. Non, non, mais tu peux les sortir, genre, manière facile. Je sais aussi, il y a des rumeurs sur le fait qu'ils pourraient faire Skyward Sword, dans le fond, qui sont de manière, c'est que tu n'as pas une manette Wii pour le faire. Ouais. Je pense qu'ils vont le faire, à un parce que c'est quand même minime qu'ils ont qu besoin de faire. Puis, t'as d'autres, ils aiment ça faire ça. Mais, tu sais, les jeux qui désirent un full-blown remake, c'est Carrying of Time, puis Superman 64. Ah, la grosse, je viens mais, de, à Link to the Past, mais continue. Oui, ça aussi, mais en tant que test, c'est parce que Link tout de la ils l'ont revisité un peu dans la version 3DS. Là, fait okay, que, OK, ok, ok. Je pense qu'on peut attendre encore un peu, mais oui, ça un tour, faire une version 3D. Mais Nintendo, c'est un peu réticent à faire ça. Mais le jeu qui le désœuvre le plus, c'est Mario 64. s'il sortira, mettons, euh, c'est quand ils l'ont sorti au, 3D, au DS, je serais extrêmement déçu. Je veux Bye. dire. Euh, tu euh, hey, 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 dans le fond, vénérez les jeux dans le fond qui vous a c'est que vous êtes maman. Mettons, genre, tu regardes les mécaniques qui sont très très fluides de Mario Odyssey. Tu passes cet ces engins-là et tu fais Mario 64 avec. <laughs> t'sais, ça. Ça, t'sais, <laughs> tu sais, tu, tu charges un ça. full price. Non, mais c'est ça. Mais en tant que tel, tu charges un full price ce product-là. Ouais, moi, en... je paierais. J'en ferais je serais, un de deux, probablement. Je l'achèterais, man. Ouais. Fait que faites ça. S'il vous plaît, sortis pas un release boboche. Mais en même temps, sortez les autres, euh, Mario, c'est sûr que... C'est bon pour padder aussi leurs releases. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est bon pour l'histoire. Puis Metroid Prime, je suis sûr que ça s'en vient. C'est un non-brainer. Mais ce ne sera pas un remake, ça va juste être les jeux en tant que... Non, là. non, non, non c'est ça. Mais moi, mon point, en fait, là-dessus, c'était juste pour finaliser ça, c'était que finalement, tant qu'à ressortir tes vieux jeux de Wii U sur la Switch, ben oh, fais dans le ménage dans le GameCube puis dans le Nintendo 64 et tout, puis tu sais... Regarde-toi, euh, Je comprends là, que c'est plus facile pour la Wii U parce qu'il y avait un semblement de, c'est le même processeur ou pratiquement, ouais, Mais like. ouais, en tout cas, on va voir ça. C'est sûr et certain que durant l'été, d'après moi, ça va être annoncé si jamais ça, si jamais ça, ça va, va être, être annoncé faire. dans la prochaine théorie c'est sûr. Non? Ouais, ça devrait, ça, ça serait cool.